Salut tout le monde, ici JoBro17 et on est parti pour le 95e meilleur jeu vidéo sur console Super Nintendo, alors IGN. Et aujourd'hui, on y va avec un jeu de course Stalker 2, sorti par la compagnie Kemco en 93. Pour être honnête avec vous, je suis pas un grand fan de jeux de course, je veux dire. Ben, peut-être les jeux de karting avec les Mario Kart, je les ai presque tous, à part celui sur Kemco. Mais à part de ça, pour les jeux de karting, je suis pas un grand fan de jeux de course, je suis pas... Pas un gotcha partout, je suis pourri en mécanique là, sérieusement là. Bon, et aussi, je vais vous le dire un peu à l'avant, j'ai... Pardonnez-moi, j'ai la grippe, oui, j'ai pogné la grippe, je sais pas où j'ai pogné ça là. Mais, mon nez est bouché, je tousse, puis j'espère que ça fait pas trop ma vidéo, mais aujourd'hui je me sens bien. Je pense que je suis rendu au stade où c'est le méchant qui doit sortir, fait que, on va commencer le jeu. Puis je vous souhaite vraiment pas d'avoir la grippe, attendez, parce que c'est tellement pas fun là. Ouais, à part ça, c'est mon dernier vidéo avant Noël, parce que demain il m'en va voir ma famille, fait que joyeux Noël d'avance. D'avance, j'ai pas besoin d'avoir des beaux cadeaux et tout. Ok, bon, on est parti. Telle chose arrive à l'action. On va t'en. Bon, let's go. Ok, c'est... On va mettre automatique. Contrôle. Okay. Vitesse. On va mettre ça kilomètre à heure. Course. Ok. On est en Australie. Ah, d'après moi, on peut acheter des améliorations. Si on gagne des courses, là, ben, ça doit être... Pour améliorer son véhicule, là. D'après moi, plus tu vas monter haut dans la course, mettons que tu sais, premier, tu vas avoir le plus d'argent. Là. Ok. Bon. Oh, d'après moi, on doit utiliser la puce FX, là, le genre de puce qu'on utilisait dans Star Fox. Parce que. Non, comment je fais ça? Non. Non, ok. C'est pas A pour avancer, c'est un peu bizarre. Oh boy. Ouf, la jouabilité est un peu altérée. C'est peut-être parce que je suis pas habitué à ce genre de jeu. Mais bon, ben, au moins, on prend aussi du dommage. Il y a des commentaires. Ah, c'est pas pire, ça, tu te dépasses et il crie loser. C'est bon. Allez, on va aller. Ok. Présentement, c'est pas le jeu du siècle. Présentement, je vois d'autres jeux de course, c'était plus fun. Non. Je sais pas s'il faut terminer dans les premiers pour continuer. C'est pas pantin. Oh! Ah, l'aspect 3D est un peu... C'est pas si pire. Le graphisme, là, sérieusement, il est pas si pire. Surtout la voiture, là, on a eu un sort d'effet 3D, là. C'est pas si pire. Pour l'aspect graphique, c'est quand même correct. Pour les boss, ça devrait être pas pire, là. On va même excellent. Ah, moi, c'est pas si pire. Je tombe pas dans le gazon. Je suis pas hors-piste, là. Ça. La jouabilité est pas si pire que ça, là, finalement. Troisième tour. Mais comme mon jeu de course préféré sur console Super Nintendo, c'est Super Mario Kart. Tabarouette, j'ai joué avec lui. Ouais, c'est vrai, j'ai dit que j'avais pas Mario Kart sur GameCube, mais je l'ai pas non plus sur console Super Nintendo non plus. J'avais complètement oublié celle-là, mais le reste, je les ai tous sur N64, Game Boy Advance, DS, ah oui. Je les ai presque tous à part ces deux-là. Ah, ben, ouais. En plus, j'ai le nez bouffé. Là. Au moins, je suis content de. D'après moi, je suis à la phase finale de la grippe. Tu sais, la phase où c'est le méchant qui sort, là, pis... Ah, je rentrerai pas dans les détails, c'est quand même assez dégueulasse, là. Ah non, non, c'est, j'ai pas de jauge de dommage, là, c'est... Ah, la jauge de dommage est en bas, ok. Ok, c'est genre le jeu de simulation course, là. Moi, certainement, là, je suis pas un des grands fans de jeux de course, mais si vous êtes fan de ça, peut-être vous allez aimer, là. Tu fais quoi? Ah ouais, on peut faire. Ah.
demande s'il y a le Canada dans ce cas-là. Je sais pas. Ah oui, d'après moi, on utilise la puce FX, là, sérieusement, parce que... Ah oui, comme dans les jeux genre Star Fox pis tout, là, les jeux où est-ce qu'on utilise une sorte de... effectif 3D, là, mais d'après moi, on utilise cette puce-là. J'ai 9e rien, ok. Je sais pas si il faut que je termine dans les poignées pour continuer, je sais vraiment pas. Bon. 9e. Le gars, c'est combien au juste? Je sais pas. Ah! Je suis qualifié! C'est bon! Ok, 9e. Peut-être qu'il faut terminer dans les 10 premiers. Pas de points, c'est sûr. Ah, encore en Australie. Je sais pas gagner d'argent, c'est ça. Je peux pas améliorer mon char, là. Ah! Oh, on voit le... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est... Le genre de gros rocher rouge qu'on trouve en Australie, je m'en rappelle plus vraiment du nom, là, mais on dirait que c'est ça, là. Je m'en rappelle plus du nom, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, là, ça serait super fin. Que je sais qu'il y a un sorte de gros rocher célèbre en Australie, là, mais je sais pas c'est quoi le nom. Tabarouette, j'ai l'air inquiète aujourd'hui. Ah, puis aussi, la crise a dû affecter mon cerveau. Ah. Ah! Je qualifie. Peut-être que je pense que je qualifie, là. Je tourne encore. Peut-être pouvoir dépenser celui-là. Attendez un instant, mon chat est là. Hamlet. Tasse-toi. Papa, il joue. Papa, il joue, là. C'est très important. Oh, les chats, là. C'est le fun, là. C'est colleux, là. Mais tabarouette. C'est surtout colleux dans le moment où on s'y attend le moins. Puis c'est tellement pas le temps, là. Ah! Il y avait un rang comme tantôt. Ah, jouabilité est possible. La jouabilité est correcte, faut juste s'habituer. Je pense que c'est peut-être un bon jeu de course pour ceux qui sont amateurs de ça, mais moi je dis que c'est pas mon style de jeu pantoute. Je suis pas un gars de genre pantoute. Mais... J'aime ça checker les chars de temps en temps, mais je suis pas un gars vraiment maniaque là, qui va triper sur les chars et tout. Là. Je suis pourri en mécanique de l'automne, je vous le dis tout de suite, je vais attendre avec vous. Je suis totalement pourri, débutant, nono en mécanique. Bon. Faut-il une autre course après ça? Je pense que oui, on va essayer de faire une autre course, là. Je me demande si c'est encore en Australie, là. Pas d'argent à ce jeu-là. C'est un bon jeu, là. Peut-être un jeu excellent pour l'époque, là, mais... Comme je l'ai dit, il va me retenir un peu, parce qu'il reste encore plein de jeux à tester avant de dire qu'il mérite d'être dans le top 100, là. Oh, c'est sûr que je peux pas dépenser le premier, là. Parce que si vous checkez la mini-carte, là, je suis très loin du joueur en première position, là. Je suis au 9e rang. Ah, je pense que je vois une voiture au loin, là, pour pouvoir la dépasser. Oh, attendez un instant. Faut que je répare mon logiciel de capture vidéo. Et voilà, c'est parti! Ah, l'étape. Ah, j'ai amélioré ma position de tantôt. Je suis un peu rapproché du premier, là, mais je ne dépasserai pas, c'est sûr. Ah! Vous êtes qualifié.
Oh, j'ai pas gagné de points partout. Bon, moi, je vais me moucher en attendant. Désolé du désagrément, si vous entendez un bruit, là. Ah, faites bien. J'espère mieux, là. Désolé des détails, là. C'est pas très hygiénique de ma part, là. Ah, une autre course en Australie encore? Bon. Je sais pas si t'as ennuyé, t'as fait le tour. Je peux pas acheter d'amélioration. Comment veux-tu que je gagne si je peux pas acheter d'amélioration? J'ai pas d'argent, rien. Comment veux-tu que je... En tout cas, dernière course. Ouais, on va faire une dernière course, là. Bon, go! Et là, c'est la nuit. Oh boy! C'est peut-être un peu plus difficile. Deuxième, on revient, Oh! Ça tombe beau, là! Septième, ah, c'est bon! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 8 mètres! J'ai mal lu, là! Je sais pas si c'était pour pas que ça soit mange là. Pas typé les petits commentaires, c'est comique. Quand tu dépasses quelqu'un, là. Oh, va-t-elle pouvoir améliorer mon score? Faire du 5e. Alright! Hey, ça va bien, là! Va-t-elle pouvoir dépenser ces trois-là aussi? Pas tour encore. Allez, t'es capable? Ah, ouais. Et ce champignon? Sauf si t'es un champion, appuie sur le champignon. Bon. Troisième, ça va bien. Deuxième. Alright! Deuxième. Je vais peut-être pouvoir dépenser le premier. Je vais peut-être pouvoir y arriver. Faut pas que je fasse le quart, faut pas que je fasse des niaiseries, faut que je me concentre. Que j'arrive deuxième, là, je suis bon. Bon, moi, je vais être venu deuxième. Je vais être content pour moi. Je vais être fier de moi, là. Mais c'est que... pas super, mais mettons qu'on a déjà vu. Le côté graphiste, là, c'est vraiment beau. Je pense pour un jeu de l'époque, là, c'est ça impose le respect. Ouais, non, d'après moi, j'aurais pas le temps de le dépenser. Bon, je vais avoir fait le deuxième. Je vais peut-être avoir de l'argent, aller acheter des améliorations et tout. Alors, dernier tour. Il me reste encore un tour. Non. Non, musique, franchement, il est un peu redondant. On a déjà vu mieux en termes de musique sur console du Panini. Ah! Voyons, c'est... Ah, j'ai peut-être un tour de plus que les autres. C'est peut-être eux autres ont un tour en retard. Ah, c'est bon. Salut les tortues! Ah. Oh, j'ai vu l'eau. Ah! Bon, en tout cas. Deuxième. On pense que c'était lui. En tout cas. Ah! Quand c'est mes pièces. Ben oui, j'avais raison. Plus tu montes haut, plus tu vas gagner des points et de l'argent. Né en Australie, ok. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'ai un jeu de course correct, c'est bon. Mais est-ce que tu as mérité dans notre top 10? On va s'en tenir encore un peu. Fait qu'on va se laisser là-dessus. C'était Jobra 17, puis je vous dis un joyeux Noël d'avance. Pardonnez-moi. Je vais en profiter pour soigner ma grippe, là. Fait que je vous souhaite un joyeux Noël d'avance, de joyeuses fêtes, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Fait que je vous dis bye bye et à la prochaine.